On t'écoute. Merci. D'accord, mais merci. Donc, tout d'abord, merci à l'organisation pour cette présentation et pour cette invitation, pardon. Et donc, aujourd'hui, nous allons présenter des données sur le développement, notamment du vocabulaire, par des enfants bilingues portugais-français, qui correspondent aux données que Daniela est en train de recueillir dans sa thèse et qu'elle présentera dans la deuxième partie de cette présentation. Moi, je m'attacherai dans un premier temps de présenter les problématiques plutôt théoriques et pratiques liées au bilinguisme. Donc, pour commencer, le bilinguisme chez les enfants peut prendre deux formats. Donc, il y a deux manières, disons, pour que les enfants deviennent bilingues. Donc, on peut devenir bilingue en étant exposé à deux langues dès la naissance. Et dans ce cas-là, les deux langues sont acquises comme étant des langues maternelles ou des langues premières. Dans ce cas-là, on est devant des cas de bilinguisme simultané, ce qu'on appelle le bilinguisme simultané. Mais il est également possible pour un enfant de devenir bilingue lorsqu'il a déjà acquis une partie, en tout cas en partie, des compétences de sa langue maternelle et qu'ensuite il est exposé à une deuxième langue pendant l'enfance et notamment avant l'âge de 8 ans. Dans ces cas-là, on parle de bilinguisme séquentiel, où la deuxième langue est acquise après la première. En ce qui concerne, donc nous, dans cette présentation, nous allons nous pencher seulement sur les cas de bilinguisme simultané. Chez les bilingues simultanés, nous savons qu'il peut y avoir beaucoup de différences quant à l'environnement linguistique et notamment ceci va avoir des influences sur leur exposition linguistique. Donc les enfants bilingues peuvent grandir en entendant leur langue dans différents contextes et ces contextes peuvent correspondre à une personne ou bien un endroit physique. Par exemple, dans le cas des enfants issus de l'immigration, il est très fréquent qu'ils parlent une langue à la maison, mais une autre langue à l'école. Mais il est également possible que, à la maison, il y ait une ambiance bilingue où les parents parlent même deux langues différentes. Et généralement, on parle de ces cas de figure comme du principe une personne, une langue, où un parent parle une langue, généralement sa langue maternelle, avec l'enfant. C'est cette configuration qui a été l'objet de nombreuses études chez les bilingues simultanés, notamment des études de cas. Ce que nous savons sur la compétence des enfants bilingues, eh bien, très souvent, leur compétence est liée à leur dominance linguistique lorsque l'on mesure la dominance par leur quantité d'exposition. Donc, très généralement, le temps d'exposition que les enfants passent dans une langue est corrélé, être corrélé à leur niveau de compétence dans cette même langue. Et nous savons aussi que le temps passé dans chaque langue est rarement égal. Ce qui fait que très souvent, les enfants bilingues vont montrer une plus grande maîtrise d'une langue par rapport à l'autre langue. C'est tout à fait normal. Et en plus de la dominance ou de la quantité d'exposition, nous savons aussi qu'il y a d'autres facteurs qui vont influencer la compétence des enfants bilingues, notamment la qualité de l'exposition. C'est-à-dire que plus l'enfant va être exposé à une variété de personnes, à une grande variété de personnes qui parlent dans cette langue, généralement, meilleure sera sa compétence. Et une influence positive sur la compétence des enfants est également l'attitude des parents par rapport aux langues. Lors des premières études menées sur le bilinguisme, et notamment le bilinguisme simultané, la question principale était de savoir si les enfants bilingues étaient capables de différencier leurs deux langues de manière précoce, ou bien s'ils passaient par une étape de fusion entre leurs deux langues.
Et certains auteurs ont émis l'hypothèse que les enfants bilingues simultanés fusionnaient leurs deux langues, c'est-à-dire qu'ils confondaient leurs deux langues, ceci à partir des données de production. C'est-à-dire que lorsqu'on regardait le vocabulaire, la phonologie ou la morphosyntaxe des enfants bilingues âgés jusqu'à environ 3 ans, leur dominance linguistique allait masquer leur capacité à différencier leurs deux langues, tout simplement parce qu'on ne trouvait pas d'équivalent, par exemple, au niveau du vocabulaire dans les deux langues. Et donc, on pouvait penser que les enfants n'avaient qu'un seul terme pour désigner un concept et que celui-ci était valable dans les deux langues. Mais lorsque les chercheurs ont mieux contrôlé l'impact de la dominance linguistique, on s'est rendu compte que les enfants bilingues pouvaient effectivement différencier leurs deux langues dès le début de leur développement, même en production. Et les données qui ont été très importantes à ce sujet ont été des données menées en perception, où on s'est aperçu que des enfants bilingues âgés de seulement quelques mois, donc aux alentours de 5 mois, étaient déjà capables de différencier leurs deux langues, même lorsque celles-ci étaient très proches, notamment des bilingues espagnol-catalan. Et donc cette différenciation linguistique se mettait en place de manière très très précoce, et elle devient évidente. Même au niveau de la production, elle devient de plus en plus évidente lorsque les enfants grandissent et que leurs compétences s'améliorent. Donc, ce que nous savons au niveau de la vitesse de développement du langage chez les enfants bilingues, c'est que les mécanismes de développement langagier ne sont pas qualitativement différents entre les enfants bilingues et les enfants monolingues. Et pour cette raison, les bilingues et les monolingues vont avoir en gros, la même vitesse de développement. Donc, ils vont dire leurs premiers mots semblablement au même moment. Les types de sons qu'ils produisent vont être qualitativement les mêmes. Ensuite, le sens des mots va s'élargir et la longueur de leur production va augmenter petit à petit, tout comme pour les enfants monolingues. Donc, le développement linguistique ne semble pas différent lorsqu'on regarde de manière générale. Cependant, le fait que le développement langagier soit conduit par des mécanismes similaires n'invalide pas qu'il y ait des particularités de développement chez les enfants bilingues. Et une des particularités est bien évidemment le fait qu'ils ont deux langues et que ces deux langues sont interdépendantes et que donc elles peuvent s'influencer. Donc même s'ils ont deux systèmes linguistiques qui sont bien séparés dès le départ, il peut y avoir des influences entre ces deux systèmes. Et ces influences-là peuvent se manifester de trois manières différentes. On peut voir l'accélération de l'acquisition d'une structure par rapport au monolingue, ou bien au contraire, la décélération de l'acquisition d'une structure par rapport au monolingue ou encore le transfert d'une structure présente dans une langue dans l'autre langue. Donc, au niveau des études menées sur les enfants bilingues, notamment au niveau de la phonologie et de la morphosyntaxe, des études qui ont testé ces hypothèses, les résultats sont très hétérogènes. Et les chercheurs ont identifié des cas dans plusieurs configurations. C'est-à-dire qu'on a trouvé simplement une absence d'interaction, donc une absence d'influence d'un système sur l'autre, une accélération en comparaison au monolingue, ou une décélération, ou encore des cas de transfert. Ici, il est à noter que ces outputs ont été identifiés même chez des enfants bilingues portugais-français notamment, et notamment chez les mêmes enfants. Donc, il est très difficile aujourd'hui d'identifier les facteurs qui vont conditionner ces interactions linguistiques parce qu'il y a encore beaucoup trop de données contradictoires. En tout cas, il y a trop de variables qui ne sont pas contrôlées. Même si on ne les connaît pas, nous savons aujourd'hui qu'il y a en tout cas toujours deux facteurs qui entrent souvent en jeu.
Le premier, ce sont les propriétés linguistiques des deux langues en acquisition, notamment au niveau de leur complexité ou de leur ambiguïté, et aussi la question de la dominance ou de la quantité d'exposition. Donc, je vais m'attarder un peu plus sur cette question-là, la question de la dominance. Et donc, nous savons aujourd'hui que la dominance ou l'exposition linguistique va influencer le développement de certaines propriétés phonologiques, notamment la liaison, certaines propriétés morphosyntaxiques, comme la longueur moyenne des énoncés, ou encore le vocabulaire. Donc, en ce qui concerne le vocabulaire qui est l'objet de notre présentation d'aujourd'hui, je m'y attarde un peu plus, donc plusieurs études ont encore révélé des résultats contradictoires, des études qui ont mesuré la taille du vocabulaire des enfants bilingues pour la comparer à la taille du vocabulaire des enfants monolingues. Donc, certaines études ont trouvé que les monolingues avaient une taille de vocabulaire supérieure aux bilingues. D'autres études ont encore trouvé le contraire. Et finalement, des études ont révélé une taille de vocabulaire comparable entre les monolingues et les bilingues. Alors, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la taille du vocabulaire est fortement influencée par l'exposition à la langue et que lorsqu'un enfant bilingue a une exposition dominante à l'une de ses langues, c'est-à-dire lorsqu'il a au moins 60% d'exposition à une de ces langues, généralement la taille de son vocabulaire va être similaire, comparable à celle d'un enfant monolingue. Par contre, ce qui peut être responsable pour ces différents résultats, c'est une différence dans la méthodologie. En effet, il y a, donc les études ont mesuré le vocabulaire de différentes manières. On peut mesurer le vocabulaire en regardant simplement le vocabulaire dans une langue et le comparer avec les monolingues dans cette langue-là. Dans ce cas-là, il est fort probable que les monolingues aient des résultats supérieurs aux enfants bilingues. On peut également regarder la taille du vocabulaire total. Donc, dans le vocabulaire total chez les bilingues, ce que l'on fait généralement, c'est qu'on va comptabiliser tous les mots que l'enfant bilingue est capable de produire, même si, par exemple, et ici j'ai un exemple en portugais et en français, un enfant bilingue produit le mot pomme en français et le mot massin qui est l'équivalent en portugais, eh bien on va lui donner la note de 2. Et donc, comme ça, on va mesurer son vocabulaire total. Et les études qui ont utilisé cette méthodologie, généralement, ont comme résultat que les enfants bilingues sont meilleurs que les monolingues. Mais une autre méthodologie consiste à évaluer le vocabulaire conceptuel total. Et dans ce cas-là, un enfant bilingue qui a en production ou en compréhension un mot et son équivalent dans l'autre langue, on ne lui attribuera qu'un seul point parce qu'on va mesurer le concept et non pas les items lexicaux. Et dans ce cas-là, ces études, généralement, montrent une équivalence entre la taille du vocabulaire des enfants bilingues et des enfants monolingues. Donc, je vais maintenant passer la parole à Daniela, qui va nous présenter les résultats de son étude. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien, c'est parfait. Oui, super. Donc, bonjour, je suis Daniela Volante, doctorante à DTL. Je vais continuer la présentation. Merci beaucoup à tous. Du coup, je vais présenter une étude développée au sein de ma thèse avec Sophie Kern et Christophe de Santos sur le développement lexical chez les enfants bilingues français et portugais. Donc, les objectifs de cette étude, c'était de comparer le développement lexical des enfants français, portugais, européens, dans ce cas, à celui de leurs pairs monolingues. Donc, on s'est demandé si les enfants bilingues franco-lusophones produisent le même nombre de mots que leurs pairs monolingues en français, en portugais européen ou dans les deux langues. Pour le vocabulaire total, comme
que l'enfant dit en portugais et en anglais. Et aussi pour le vocabulaire conceptuel, donc le nombre de concepts que l'enfant connaît en deux. Et aussi explore le rôle de l'exposition à la langue dans l'acquisition du bilinguisme en examinant le lien potentiel entre dominance de la langue et taille de vocabulaire. Compte tenu de la littérature, nous nous attendions à ce que la taille de vocabulaire dans chaque langue chez les enfants bilingues soit dans la norme des enfants monolingues, que le vocabulaire total en français et en portugais soit plus étendu chez les enfants bilingues que chez les enfants monolingues, et que le vocabulaire conceptuel soit comparable entre les deux groupes. Il y a aussi qu'il y ait une corrélation positive entre la dominance de la langue et la taille de vocabulaire. Dans cette étude, on a utilisé trois questionnaires parentaux. Le premier pour mesurer le développement langagier. Donc, on a utilisé le CDI qui est expliqué ce matin pour Sophie Kern, la version portugaise et la version française. Pour mesurer la dominance linguistique, ça veut dire la quantité et qualité de l'input dans les deux langues. On a utilisé le PABIC, expliqué aussi ce matin pour le Rittler. Et parfois, on a utilisé le questionnaire Stages, pour évaluer l'état de développement. Donc, ça veut dire pouvoir, si les enfants avaient un développement normal. Toutes ces procédures ont duré entre 55 et 70 minutes. Donc, 106 parents ont rempli ces 53 enfants franco-lusophones habitant en France et en Suisse, qui ont étudié deux langues depuis la naissance. Donc, ici, on parle de bilinguisme simultané. Les résultats des Ages and Stages ont montré que tous les enfants avaient un développement normal, et les enfants n'avaient pas des jumeaux. Et aussi, on a exploré qu'il n'y avait aucune influence détectable du niveau d'éducation des parents sur la taille de vocabulaire des enfants, parce que ça peut avoir un impact dans les résultats. On a créé trois groupes divisés par âge, ou même par niveau linguistique. Dans le premier groupe, les enfants avaient entre 16 et 18 mois. Ils étaient 16. Pour le deuxième groupe, on avait 16 enfants de 24 à 25 mois. Et pour le dernier groupe, on avait 21 enfants entre 30 et 35 mois. Au total, notre étude avait 22 filles et 31 garçons. Nous avons donc calculé la taille de vocabulaire dans chaque langue, pour le français et pour le portugais européen, le vocabulaire total, donc la somme des mots pour tout ou pour les deux langues, et le vocabulaire conceptuel, donc tous les concepts que l'enfant connaît dans les deux langues. Et puis, comparer ces trois valeurs en normes des monolangues. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Pour le vocabulaire en français, donc la première partie de graphique, on a trouvé que le vocabulaire français est inférieur en normes monolingues du français. Donc, 39 sur 53 enfants sont au-dessus de deuxième, dixième percentile et 16 en-dessus de 50e percentile. Regardons le vocabulaire portugais. On trouve que le vocabulaire portugais correspond aux normes monolingue du portugais, donc 46 sur 53 enfants sont au-dessus du 10e percentile et 26 sont au-dessus du 50e percentile. En ce qui concerne le vocabulaire total, on a comparé avec aux normes monolingue du français et du portugais. Donc, je vais présenter les deux résultats. Donc, ici, on a trouvé que en comparant avec les normes du portugais et du français, le vocabulaire total est supérieur dans les deux cas. Donc, la majorité des enfants, presque tous les enfants, sont au-dessus du 10e percentile et 47 sur 53 sont au-dessus du 50e percentile. Parfois, sur le vocabulaire conceptuel, on a trouvé le même résultat. Donc, le vocabulaire conceptuel est supérieur aux normes monolingues du français et aussi du portugais.
On a trouvé que presque tous les enfants sont au-dessus de dixième percentile et 39 dans les deux cas sont en-dessus de cinquantième percentile. Concernant les résultats de la dominance de la langue qu'on a mesuré avec le PABIC, les résultats du PABIC ont montré qu'aucun des enfants n'était à risque d'atteindre des troubles de langage. Et aussi, en utilisant le PABIC, nous avons évalué l'exposition aux deux langues et nous avons calculé la dominance de la langue. On a utilisé la même méthodologie que Laetitia Almeida dans son article 2017. On avait des groupes assez équilibrés, donc on a créé trois groupes de dominance. On avait 18 enfants qui avaient le français comme langue dominante, 16 enfants avaient le portugais comme langue dominante et 19 enfants n'avaient pas de langue dominante entre le français et le portugais, donc une dominance équilibrée. Le résultat par rapport au lien entre le vocabulaire et la dominance de la langue ont montré que le score de dominance basé dans le questionnaire de PABIC était corrélé avec le vocabulaire en français. Donc spécifiquement, les enfants qui sont dominants en français ont un plus grand nombre de mots en français et on a résulté trouver les mêmes résultats pour le portugais. Et comme anticipé, la dominance ne semble pas avoir un effet sur le vocabulaire total et conceptuel parce que ces deux calculs incluent les deux langues. En résumé, on a trouvé que le vocabulaire total et le vocabulaire conceptuel des enfants bilingues est supérieur à celui des enfants monolingues, que le vocabulaire en portugais correspond aux normes monolingues du portugais. Par contre, on a trouvé que le vocabulaire en français est inférieur aux normes monolingues du français. On a trouvé que 14 en 53 enfants bilingues sont en dessous du dixième percentile. Si on prend que les normes de français en compte, ces enfants seraient considérés à risque, mais cette idée est contredite par le résultat au PABIC, qui a montré qu'ils n'étaient pas à risque, et aussi par le vocabulaire en regardant les normes en portugais. Donc pourquoi on a trouvé ces résultats? L'hypothèse, c'est que le vocabulaire en français de ces enfants est probablement surévalué pour les parents, car ils étaient plus compétents en portugais, et aussi parce que la langue dominante de ces enfants est le portugais. La dominance de la langue entraîne l'acquisition d'un vocabulaire plus étendu dans chaque langue. Donc, on a trouvé que la dominance en français était corrélée à un plus grand nombre de mots en français, et on a trouvé le même pour le portugais. Ainsi, les résultats confirment le lien entre l'exposition à la langue et la taille du vocabulaire chez les enfants bilingues. Et les résultats confirment également que si un enfant bilingue est beaucoup plus exposé à une de ces deux langues, il aura dans cette langue la même performance de vocabulaire que leur père monolingue. Donc, dans cette étude, nous avons comparé le développement lexical des enfants bilingues français-portugais avec celui-là des enfants monolingue de Portugal et de la France. Pour cette population spécifique, nos résultats suggèrent que le bilinguisme n'entrave pas le développement lexical. Et pour conclure, à notre connaissance, cette étude est la première à explorer le développement lexical bilingue français-portugais européen. Et de plus, elle est la première à combiner dans le même protocole expérimental des questionnaires validés et adaptés aux deux langues et aux deux populations. Merci beaucoup pour votre attention et pour cette belle journée.